Good morning, allez, Daniel Sussra aujourd'hui, le Nishma David Ben Fortune, Mazal Fritna, Lucien Batraina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Sota, Perik Bet, Mishnah Gimel, Balo Lichtov et Amegila. Mais Eize Makom ou Kotev, mais Imlo Shachav Ish Vegomer, Veat Kisatit, Tachat Isher, Veeno Kotev Ishbia Kohenet Aisha Vekotev, Itena Shamotach Le Alav Lishvua. ובאו המים המרים האלה במעייך לזוות בטן ולנפיל לי יערך, ואינו כותב ואמרה אישה אמן אמן. רבי יוסי אומר, לא היה מפסיק, רבי יהודה אומר, כל עצמו אינו כותב אלא ייתן השם אותך ולעלה ולשבוע וגומר. ובאו המים המרים האלה במעייך וגומר ואינו כותב ואמרה אישה אמן אמן. On reprend d'abord dans le rituel de la sota où on en était. On avait expliqué qu'il y a quatre choses à faire quand on arrive. Une fois qu'on arrive au bétan Midash concrètement, avant de faire boire l'eau à la femme, il fallait, d'une part, avant ou pendant, peu importe, il y a quatre points à faire. Le côté humiliation de la femme, on l'a pris dans la Mishnah précédente. On lui déchirait ses vêtements, on lui découvrait sa tête, ses cheveux. Ensuite, il y a une offrande à faire, Minchat Sota, on en a parlé dans l'une des Mishnahs précédentes. Et il y a la préparation de l'eau pour effacer ensuite la paracha de la Sota. Et après, il faut faire boire la femme l'eau de la Sota concrètement. Et après, le problème des méchants, c'est d'organiser l'ordre dans lequel il faut procéder à tout ça. Il y avait quelques difficultés, on en a déjà parlé au moment. Là, on est en plein préparatif de l'eau de la sota. À savoir, on prend d'abord de l'eau dans le kior, dans un ustensile en argile, c'est la méchante précédente. Il fallait prendre de la terre du Afar Karka à Mishkan, de la terre qui était dans le Echal. On partait là-bas, on levait, il y avait un couvercle qu'on levait, on avait d'abord de la terre, parce que tout était en marbre, mais il y avait une dalle en marbre qu'on pouvait lever avec un anneau dedans pour ramasser de la terre. À présent, il fallait mettre de la terre dans cette eau-là. À présent, on va maintenant s'intéresser à, concrètement, à la paracha de la sota à effacer. À savoir, quel psukim exactement recopier de la paracha de la sota. La paracha de la sota, ça se trouve dans Parashat Naso, Perek He. À partir du pasuk Yud Alef Yud Bet, on va pas tout lire. Succinctement, la Torah nous dit comment est-ce qu'il faut procéder lorsqu'un homme soupçonne sa femme, comment il doit l'avertir, et jusqu'à qu'il va l'apporter au Beth Amikdash pour faire boire les eaux de la sota. Lorsqu'il va arriver au Beth Amikdash, dans le pasouk peut-être Zaïn, ou peut-être même un peu avant, peut-être Vav, alors la Torah nous dit qu'il devra apporter une offrande d'orge, et il devra la mettre, le Kohen va lui dévoiler les cheveux, et ensuite, à partir du pasuk Yud Tet, alors là, c'est là où ça m'intéresse, donc Perek He Yud Tet dans ma Midbar, Vishbia à Kohen, Vishbia Ota à Kohen va amar à Isha, le Kohen la sermentera et lui dira, Imlo Shachav Ish Otar, si un homme n'a pas eu de couche avec toi, Vimlo Satit Tumat Khatishech, si tu n'as pas eu d'écart alors que tu étais sur ton mari, Inakim Imamarim Amarim, et tu seras blanchi, nettoyé des eaux de la Sota, de ces eaux maudites. Amère et maudite. Par contre, Veat qui s'attique, mais toi, si toutefois tu as eu un écart, ta chatichère, sous ton mari, et tu t'es impurifié, alors Veten Ishbach et Tchechovto, et qu'un homme étranger a donné en toi sa couche sur sa semence, Ibaladichher, à l'exception de ton mari. Et le passou continue en disant, Ishbia, Kohen et Aisha, Bishboa ta'ala, et le Kohen la fera jurer avec un serment de malédiction. Parce que la jvoua et la klala et la malédiction, ça marche ensemble, c'est le même principe. C'est le même principe dans la mesure où jurer par définition, c'est de dire autant que Hachem il est émet et qu'il nous surveille et qu'il nous voit, alors sache que je suis prêt à défier, et selon ça, à affirmer que ce que je dis, c'est vrai. Quand on jure, c'est ce que ça exprime, jurer. C'est de dire qu'autant qu'Hachem il est émet, ce que je dis c'est émet, c'est de dire que si jamais je mens, je suis prêt à encaisser les coups de celui qui est présent. C'est par définition, et c'est par définition, c'est une clala. On peut aussi jurer en maudissant, en disant qu'Hachem me fasse ci et me fasse ça. Si jamais c'est pas vrai ce que je dis, c'est aussi une manière de jurer. D'accord? Et la Torah nous dit, donc, je vois à Allah, le serment de la malédiction, ça va ensemble. Et Amar, quand il le dira, et le Kohen lui dira à la femme, Iten Hachem Otach le Allah Vedishvoa, Betor Amer, Hachem te donnera en malédiction et en serment au sein de ton peuple, Betet Hachem et Yerechech Nofelet, lorsque Hachem
donnera à ta cuisse qui va te tomber, et vetbitner sava et ton ventre qui va gonfler, parce que lorsqu'elle se décomposait. Et après il continue en la prévenant, ou baou amaim amarim alel, et les eaux amères maudites viendront bémé haïr dans tes entrailles, la zvot beten faire gonfler ton ventre, venan pilier, et faire tomber tes cuisses, qui va se décomposer. Amraïcha amen amen, et la femme répondra amen amen. Amen, ça veut dire qu'elle accepte, qu'elle agrée la chevoie, elle le répète deux fois, il y aura une Mishnah qui nous expliquera pourquoi est-ce qu'il faut deux fois. Et le pasouk conclut cette paracha. Donc là, jusqu'à maintenant, si vous faites attention, on a lu depuis le pasouk Yud-Tet jusqu'au pasouk Kaf-Bet, où c'était concrètement les avertissements du Kohen lorsqu'il a fait jurer. Et le pasouk nous dit, attention, le Kohen ne se contente pas de la faire jurer uniquement, parce qu'en plus, le Katav est à Alot, à Ele, à Kohen, Bassefer. Et le Kohen écrira toutes ses malédictions dans un livre, c'est-à-dire sur un parchemin, ou Mancha el Me'amarim, et il l'effacera dans les eaux amères. Donc, on a lu toute une histoire avec un Kohen qui avertit la femme, il a fait jurer, il a prévu de ce qui se passera, et le Pasouk conclut en disant, et le Kohen écrira toutes ses malédictions sur un livre, et qu'il effacera tout ça. Et la question, elle est de savoir quoi recopier de tout ce que je t'ai dit. Je t'ai parlé de plein de psukim. Depuis le moment où le Kohen commence à la faire jurer, à préciser à sur quoi il la sermente, jusqu'à que la fin, jusqu'à qu'après il va lui dire, et sache que lorsque, si tu as enfreint ta jvoua quand elle était à fauter alors que tu nous as dit que tu n'as pas fauté, sache qu'il se passera ça et ça et ça. La question elle est combien est-ce qu'il faut recopier? Et on a sur ça trois avis tout simplement. Si vous faites attention, si vous analysez bien le texte, il y a au début le serment, le pasouk qui me dit, et le Kohen fera jurer la femme, et il lui dira comme ça, et on a ensuite la malédiction. Qu'est-ce qui se passera lorsqu'elle enfantera ça je vois. Et sur ça, ça nous fait les trois avis. Il y en a, le dernier avis, ça va être Rabbi Yehuda, il va me dire, tu recopies juste la malédiction, mais pas le serment, comme dit le pasouk. Et le Kohen recopiera juste ses malédictions, pas le serment. Et on a les autres avis de la Dieu de Mishnah, qu'est-ce qu'il faut aussi recopier? La jvoua. Maintenant, tu recopies la jvoua, mais qu'est-ce que tu recopies la jvoua? Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir commencer depuis le moment où on a dit que le Kohen fera jurer la femme, et il lui dira. Qu'est-ce qu'il lui dit? Et bien, ce qu'il lui dit, il le recopie. Maintenant, il y a un petit problème. C'est qu'au milieu de ce qu'il est en train de lui dire, la Torah, elle s'interrompt pour me dire, et le Kohen fera jurer la femme. Le Kohen, il dit pas ça à la femme. Le Kohen, il fait jurer la femme. Donc, il lui dit pas, bishbiya Kohen et Taïja. Est-ce qu'il faut recopier ces mots ou pas? Ça fait les trois avis. Il y en a qui me dit, depuis le moment où on commence au milieu du passage du tête, enfin, d'après les quelques premiers mots, Vishbiya Kohen et Taïcha va marrer la Isha. Qu'est-ce qu'il dira à la femme? Oh, ce qu'il dit à la femme, c'est ça ce que tu recopies. Et tu recopies tout jusqu'à avant, Vamra Isha Amen Amen. La femme agréera, acceptera la joie en disant Amen Amen. Ça, tu le recopies pas parce que c'est ce que la femme, elle entend. On raconte que la femme, elle dira ça. Donc, c'est pas ce que le Kohen dit. Du coup, on a un avis qui me dit, tu recopies depuis le mot Imlo Shachav jusqu'à la fin. Un avis qui me dit, ça va être l'avis de Rabbi Yossi, ça va être le deuxième. Et le premier avis de la Mishnah, il va me dire, tu fais une petite interruption là. Tu recopies tout ça, mais tu fais une petite interruption depuis le pasouk qui va me dire, Bishbiya Kohen et Aisha, Bishwa Ta'ala, de Amar à Kohen et Aisha. Et le Kohen fera jurer la femme, Bishwa Ta'ala, avec la joie de la malédiction, et ainsi dira le Kohen. Ben, le Kohen, ça, tu ne faut pas le recopier. Je t'ai demandé de recopier ce que le Kohen dit. Et un avis qui me dit, non, je recopie depuis le moment où le Kohen commence à parler, toute la paracha jusqu'à la fin. Et Rabbi Yehuda qui me dit, tu recopies que la malédiction, c'est exactement les trois avis, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le Mishnah, Bezrat Hashem. Balo l'Ikhtov et la Megillah, il vient ensuite pour écrire la Megillah, le parchemin dans lequel il va écrire la parasha de la Sota, mais c'est Makom, mon Kotev, depuis quel moment de la Jvoua doit-il recopier? Alors, le premier avis me dit, depuis, Imlo Shachav Vishotach, depuis le, c'est au milieu du pasuk du Tet, au tiers, après le tiers du premier pasuk, depuis Imlo Shachav Vishotach, depuis ce pasuk-là, jusqu'à qui va dire Ve'at qui s'attit tachatishech, et toi qui as eu un écart chez son mari, Ve'eno kotev, Vishbiya Kohen et Aisha, mais il écrira avant ensuite que le Kohen fera jurer la femme. Parce que ça, c'est parce que le Kohen est en train de dire à la femme. S'il n'est pas en train de lui dire, il est en train de lui faire concrètement. Et ensuite, par contre, il écrit Ve'kotev, iten Hashem, otach la alab lishvoa, et il écrira par contre que Hashem la donnera en malédiction et en serment, ou bahou amayim amarimael, et bemaech la zvot beten la belerech. Et ses os viendront dans ses entrailles pour lui faire gonfler son ventre, lui faire tomber sa cuisse. Par contre, il n'écrira pas la fin du paragraphe qui me dit « Et la femme répondra Amen, Amen !» Parce que ça, c'est parce qu'il connaît, lui dit, c'est concrètement, la Torah nous raconte comment il faut faire. Rabbi Yossi me dit « Non, il ne s'interrompt pas. » Ça veut dire
Comme ça, il y a le serment, et au milieu, on continue à te raconter que le Kohen fera jurer la femme et lui prononcera la malédiction. Même ça, il faut le recopier sur le Rabbi aussi. Et Rabbi Yehuda qui vient, il me dit non, pas du tout. Kol atzmo, concrètement, Enon Kotev, Ela Iten Hashem, Otach Le'alav Lejoua. Il n'écrit que le pasouk de la Klala où il y a écrit Iten Hashem Otach Le'alav Lejoua. Qu'Hachem la donnera en malédiction et en serment. Mais il n'écrit pas la joie, concrètement, le serment. Juste le dernier verset, depuis le moment où on lui dit qu'Hachem la donnera en malédiction. Il n'écrira pas. Vous avez bien compris? Si vous prenez le verset, vous allez voir, c'est très net quand on regarde le verset. Partez du principe que il faut écrire ce que le Kohen dit. Maintenant, qu'est-ce que le Kohen dit précisément? Il y a la partie du serment et la partie de la malédiction à la fin, concrètement. Et au milieu, il y a des mots de transition. Rabbi Yehuda me dit, tu prends juste les mots de la fin. Rabbi aussi, le premier Rabbi de la Mishnah me dit, tu prends le serment et la malédiction, mais tu sautes les mots où on te raconte que le Kohen la fera jurer. Et Rabbi aussi me dit, tu me recopies tout d'entrée, si déjà tu as commencé à recopier, tu recopies tout, jusqu'à ce que tu arrives à la fin. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tuv, c'est là.